Les amis, c'est le Gamer Reno. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en solo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé pendant ces mois d'absence que je n'ai plus fait de vidéo. Je tiens à m'excuser de n'avoir pas fait de vidéo car j'avais quelques petits problèmes d'ordinateur. Il n'était plus assez performant. Il y a eu quelques problèmes qui ont été réglés maintenant. Je compte faire une petite carrière de 10 épisodes sur cette carte qui est Bastogne. Très sympathique. Ici, ça va être l'épisode 1. J'ai déjà commencé à moissonner en off. Là, je ramène la presse. La terre n'est pas grande, mais tout le carré que vous voyez, le gros carré gris, ben, tout ça c'est le corps de ferme qui est gigantesque. Comme vous pouvez le voir, il y a des vaches, des moutons, de la poule, des oies, du poney, de l'autruche et du raisin. Je ne saurais pas tout faire sur 10 épisodes, on verra. J'en ferai peut-être plus. Ceci va être une carrière plutôt RP, on pourra dire. Pas de triche d'argent. On va essayer de jouer le plus RP que je peux. Pour l'instant, là, c'est les véhicules de base. Et comme vous voyez, là, je suis je n'ai pas triché. Simplement que j'ai vendu quelques véhicules qui ne me servent à rien pour le moment. Garder quelques véhicules que je vous montrerai après. Là, il y a déjà la moissonneuse. Là, il y a déjà le Dutz avec la presse. En argent, je suis à 73 901. Le tracteur, on descend, on remonte dans le tracteur pour bien le fermer. Nous, on monte dans la moissonneuse.
Là-dessus.
énormément de champs. Par contre, j'ai fait des oublis, je crois. C'est pas si grave que ça. On va courir un peu plus vite que marcher. Bah, je vais rejoindre le Peugeot qui se trouve là-bas. La texture du blé est très belle. Un ciel magnifique. Intérieur. On va pas rouler trop vite. Que quoi, c'est mieux de rendre extérieur pour faire visiter. Voir à gauche, bah tous les bâtiments que vous voyez là, bah c'est à la ferme. On la visite vraiment dernier, la ferme. Apparemment là c'est la ferme. Par contre, je trouve que bon, depuis que j'ai acheté le Peugeot, ça lag, je trouve. Apparemment, si je me trompe pas, c'est les moutons. Oui, c'est ça, c'est les moutons. Juste là, c'est les moutons. On va aller tout droit, tiens. Vous voyez, la carte est très petite, hein. Que c'est les autruches. Ouais, on peut le voir, il y a des petites autruches là-bas. Autruche. À gauche, ben c'est les oies. J'avais pas remarqué qu'il y avait des oies sur cette carte. Je trouve qu'elle est assez complète, même trop complète. La bêta, c'est une version 1, je crois. Bon, après, là, vous pouvez voir abattoir, cave. Là, on n'a pas besoin d'aller, c'est tout ce qui est pour aller vendre. Par contre, je me suis trompé de route, on va couper à travers champs. Je sais que c'est pas très RP, mais le premier épisode c'est explication. On montre la map.
sera du sérieux. Je ne sais pas si vous entendez des bruits derrière moi. Si vous entendez, je suis vraiment désolé. Après, on va aller à pied, tu vois. C'est vrai que c'est un peu loin, mais bon, ça passe. Apparemment, c'est un champ d'herbe. Ou peut-être une autre texture, je sais pas. Je crois plutôt que c'est un champ d'herbe qui a été coupé, puis fané. On verra ça. Bah, comme vous pouvez le voir là, c'est les vaches, les moutons. Je vous ai montré, les autruches. Autruche, pardon. Oh là là, je perds mes mots. Attention, hop, nous voilà à la ferme. Comme vous pouvez voir, c'est énorme. Si on regarde bien, je sais pas si vous les voyez là-bas tout au fond, mais il y a genre des véhicules militaires et tout. Voilà, là c'est tous des bâtiments. Après voilà, ça c'est tous les véhicules que j'avais. J'avais un télescope mais je l'ai revendu. Là là. Après il y a ça, après bien sûr il y a lui, après il y a lui aussi. Et là, est-ce que ça s'ouvre là devant? Je crois, hein, c'est sûrement des silos ou des hangars encore. Le voir, bah là c'est un hangar, mais je crois que je pourrais rien mettre dedans. C'est dommage. Oh, je me suis trompé de touche. Encore un tank. Je trouve ça assez dommage qu'il ait mis des tanks un peu partout dans les garages. Bon, ça va, les trois derniers qu'on vient ouvrir, ils sont vides, mais bon, c'est un peu dommage d'avoir mis deux tanks. Il en aurait mis un, c'était, ça aurait été bien, mais deux, je trouve ça un peu lourd. Là je suppose qu'il y en a encore un, bien sûr. Là, je suppose que... Ah non, ça c'est les silos là. Bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. C'est tous les trucs de l'armée en gros. C'est pas mal, qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que ça s'ouvre là devant? Bonne question. Ah oui, ça s'ouvre. Je ne croyais pas que ça allait s'ouvrir, mais bon. Oh, mais quand même, il y aurait quand même des grands hangars. Ça passe. Bah, voilà.
Après, je vais pas vous montrer tout l'autre côté parce que y a rien d'intéressant tout le côté gauche. C'est plus comme des logements et tout. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond. Là, il y a des silos à notre gauche. Par contre, en installant la map, j'ai vu que j'avais eu un petit camion. Je crois que nous allons l'acheter. Espérons qu'on a assez de sous pour voir. Je me suis trompé de catégorie. Pour voir qu'est-ce que ça vaut. Ah oui, on a eu celui-là. Mais celui-là, c'est, on le connaît. C'est celui-là que je voulais voir. Voilà. Hop, on va sauter dedans. Il est pas mal. Bien modélisé, par contre je peux rien de dire sur le camion. Super bien. Après faut voir qu'est-ce qu'il prend aussi. Il faut voir qu'est-ce qu'il prend aussi. Il prend quoi? Bon, ça va, il prend pas mal de trucs, la laine, les engrais. Et puis là, je crois que c'est du compost qu'il prend aussi. Oh, ça va, c'est sympa. Par contre, le truc qui est sur le plafond, je trouve ça pas si beau que ça. Est-ce que les warnings fonctionnent? Oui. Oui, magnifique. Et les phares? On va remettre l'aide. Je me suis trompé, excusez-moi. Hop. Oh, pas mal. Comme je vous redis, Bastogne, la map, c'est une map de guerre. Oh, magnifique. Par contre, il est assez bruyant. J'espère que vous m'entendrez. Bon, ben on va stopper là. Ciao tout le monde.